Et salut tout le monde, c'est Shaker77 et on se retrouve pour l'épisode 2 de la map aventure Cross Story. Et donc on s'était laissé, j'avais répondu au Wagon Question, j'avais réussi le Wagon Question et on avait débloqué la porte 3 et sans perdre de temps, nous y allons, écoutez, nous y allons sur cette map aventure vraiment très réussie. Alors, bienvenue à Torticoli, pardon, c'était quoi cette voix? Bienvenue dans le parcours, il y a un S à parcours de bateau. Il est conseillé de prendre beaucoup de bateaux au cas où vous le cassez. Rentrez dans votre bateau et c'est parti. Et c'est parti, je doute... Ouais, non, je vais arrêter de corriger toutes les fautes d'orthographe. Hein. On en prend un peu dans les deux caisses, hein. On va se remplir complètement son inventaire. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Je sens qu'il va se péter, en plus ça se pète tout le temps, un bateau. Ouais, bah non. Ça commence mal. On va le pousser. Voilà, voilà. On se calme. Pas trop vite, pas trop vite. Non. Derrière pour monter. Voilà, ici. Non. Non, bateau. Non, bateau. Vilain bateau. 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 Oh my god, j'y arriverai jamais. Bateau. Attends, c'est dans quel sens, bateau? Voilà. Bateau. Non. Voilà, bateau, bateau. Stop. Bateau reste ici. Bateau maîtrise. Bateau. Oui, bateau. Oui, bateau. Oh, je suis en train de couler. Dépêche-toi, bateau. Dépêche-toi, je ne retiens plus ma respiration, bateau. Bateau. Bateau, voilà. Merci, bateau. Allez, allez, allez. On va y être, on va y être. On va y être. Je le sens bien, là. Je le sens bien. Je le sens bien, je le sens bien. J'ai pris ma respiration en plus, sans faire exprès, mais je l'ai pris. Allez. Allez, on va la reprendre un petit coup. Si je tombe là, je crie, mais je crie. Allez, là c'est bon, là c'est bon, on est bon. Allez, bateau. Pourquoi tu passes pas, bateau? Bateau, non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Bateau. Bon, écoute, je vais changer de bateau. Il y a marqué quelque chose sur les panneaux ou pas? Oui, il y a marqué quelque chose. Il y a un panneau ici. Est-ce qu'on va réussir à le lire? Entrez dans... Ah non! Entrez dans un des deux bateaux. Casse-toi sur... Voilà. Aïe. Allez. Bon, entrer dans un des deux bateaux, je vais rentrer dans celui-là. Un conseil, ralentissez durant les descentes. D'accord. Hop. On ralentit, là je ralentis en plus les amis, je ralentis. Qu'est-ce que c'est? Aïe. Aïe, je suis où? Aïe, je me fais mal. Décidément les bateaux et moi, mais... Enfin les bateaux et tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Non, c'est pas là, c'est pas là. C'est pas là. Je suis où? Eh, non, j'ai pas voulu tricher, non, s'il vous plaît. Ah, mince. Bon, bah... Attendez, bah là, je suis désolé, mais... Non, 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 j'ai pas voulu tricher, non. Non, non, je suis désolé, mais... On va enlever ça tout de suite, voilà. J'ai pas triché, hein, j'ai pas triché. C'est où la sortie? Je comprends pas. Où est la sortie? Ah, c'est là, ok. Moi, je cherchais une sortie ici. Ok, allez, on y va. Ralenti, 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 bateau. Bateau, doucement. Doucement, doucement, bateau. Non, non, bateau, ne t'emporte pas. Bateau! Ça peut, gamer, ça lag! Non, c'est bon. Ah, bateau. Allez, c'est pas fini, bateau. Essayez de rentrer là, bateau. Ah, si, c'est fini. Ouf. Allez, laissez votre bateau ici. Bah, regarde, regarde comment je le laisse, moi, mon bateau. Bravo. Ouais. Le saut de la mort qui tue. Ça donne envie. S'il vous plaît, s'il vous plaît! Ah, c'est beau ça. Beau saut. Eh bah oui, c'est beau, je viens de le dire. Ah, allez, se lever ou la sortie est la porte 4. C'est ça la sortie? Ouais, c'est ça. Voilà, donc, première épreuve de fête, hein, j'ai envie de dire. On va aller tout de suite à l'épreuve number 4, numéro 4 en français. Allez, c'est parti, je vois de la lave. Jetez tous vos objets sauf vos diamants ici. Ouais, c'est très bien d'y penser. Hop, je cache ça. Oh non, mais pourquoi j'ai pris autant de bateaux? Ah là là, tac, ta la ta ta. Bon, en attendant, peut-être je mettrai une petite musique au montage. Allez, je mettrai une musique.
Et voilà, on a fini. Allez, hop. Je sais pas quelle musique j'aurais mis au montage, mais elle aura sans doute aucun rapport. C'est pas grave. Trouvez le code afin d'ouvrir la trappe. Il y a 2P à trappe. Non, j'arrête de corriger. Pardon. Normalement, le code vous dira quelque chose. Posez votre bloc de sable sur ce panneau. Normalement, le code vous dira quelque chose. 2, 2, 1, 2, 2, 1. Normalement, le code vous dira quelque chose. Non. Personnellement. Ah, ah, stop. 121. Pourquoi 121, ça me dirait quelque chose? Je sais pas. Bon. J'ai pas compris cela, mais. Bloc de sable. Ok, super, merci. 121, pourquoi ça me dirait quelque chose? Bah, dites-moi dans les commentaires si ce que ça veut dire, hein, ce que ça me dit quelque chose. Allez, hop. C'est juste pour le style, en fait, hein, que ça ouvre comme ça. Parce qu'il aurait très bien pu ouvrir direct la porte. Alors, oula, ça sent l'énigme, ça. Ah ouais, ça sent l'énigme. Alors, les règles. Dans ce jeu, vous devrez... Il n'y a pas de... Non, je vais arrêter de corriger, il faut que j'arrête. Dans ce jeu, vous devrez, avec l'aide des leviers, faire un chemin d'eau vers la première, puis la deuxième zone de validation. Alors, attendez, je vais lire plus en dessous. Vous devrez, avec l'aide des leviers, faire un chemin d'eau vers la première, puis la deuxième zone de validation. Les deux carrés bleus. D'accord. Conseil, ne laissez pas l'eau faire deux chemins différents, car l'objet sera dévié. Activez d'abord l'eau, puis après avoir créé son chemin vers une des zones, appuyez sur le bouton pour lancer un objet. Attendez jusqu'à ce que l'objet rentre dans la zone, des lumières s'allument. Une fois les deux zones activées, la porte s'ouvre. Ouf. Alors là, activez l'eau, lancez un objet. Alors l'eau, elle part de où déjà? Ok. L'eau, elle part de là. Très bien, très bien. Tac. Ok, donc faut l'amener là. Et pour l'amener là, je suppose que on fait comme ça. Le vert foncé, il est où? On va activer ça pour pas que ça aille là. Le vert foncé, il est là. Ah mince. Vert foncé, il est là. Le noir, on l'active. Est-ce que là, ça va bien là? Attendez, c'est quoi la laine ici? C'est une laine bleu clair comme ceci. Non, comme là-bas. Voilà. Est-ce que ça le fait là? Activez l'eau. Alors. Tac. Tac. On est pas mal là. On est bien là. On est bien. Lancez l'objet. Je le vois pas, mais c'est pas grave. Les lumières s'allument. Elles s'allument où les lumières? Attendez, je vais aller lire. Dans la zone des lumières s'allument. Ah, ici, là, ça s'allume. Ah, voilà, il arrive. Vas-y, vas-y, objet. Vas-y, objet. Allez, objet. Objet. Voilà. C'est parfait. Ok, alors maintenant, on désactive l'eau. On va remettre... ça comme c'était avant pour mieux réfléchir. Et alors l'eau part toujours de là. Ce qu'il faut, c'est qu'elle continue là. Donc le orange, on l'active. Ok, elle continue. Il faut qu'elle tombe là forcément. Par contre, là elle tombe pas. Là, le violet, non, c'est pas celui-là, le violet là-bas, l'active. Comme ça, elle va là. Donc, qu'elle aille tout là-bas. Là, le rouge, ok, il est activé. Attendez, à moins que maintenant qu'on active l'eau, ça l'active de l'autre côté. Non, c'est bon. Oula! Non, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici, mais c'est rien. Donc là, on active le bleu foncé. Et puis on est bon, je crois. Je crois, on va voir ça tout de suite, hein. Alors, là, ça va là. Ça va là, ici c'est bloqué de ce côté. Ah, est-ce qu'on... Ouais, faut le bloquer avant, je pense. Mais j'avais pas vu qu'il y avait une couleur. Sinon c'est bon. Sinon c'est bon, c'est quelle couleur ici? C'est gris.
Ouais, c'est ça. Allez, on active. S'approcher un peu pour mieux voir. J'ai lancé un objet là. Est-ce qu'il arrive? Ça prend un peu de temps cette épreuve, mais elle est très sympa. Franchement, c'est très sympa. Ça prend juste un peu de temps, mais après, c'est en même temps, c'est on peut pas faire. Enfin, voilà, on peut pas faire vraiment plus rapide. Le problème, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression, je sais pas si j'ai activé vraiment ou pas. Bon, je vais appuyer plusieurs fois. Au pire, hein, il y a plusieurs objets, c'est pas grave. Allez, allez, Coco. Je vois pas les objets. Ah, si, il y en a un là. Voilà. Voilà, c'est parfait. Porte ouverte. Allez, on y va. On y court. Alors, bienvenue à la dernière épreuve. Dernière épreuve déjà. Oh, c'était sympa. Le big jump. Le big jump. Oh yeah. Une épreuve comme je les aime pas. Voilà, comme je les aime pas. Je l'avais. Oh, mais même pour remonter, quoi. Tu nous fais une épreuve. Non, mais sadique. Allez, on va réussir. On va réussir, les amis. C'était juste. Réfléchis, prends ton temps. Moi aussi, hein, je l'ai fait, le truc avec les trappes. Hein. Ensuite, on va par où? Ah oui, ah non, c'est peut-être pour là. Réfléchis, prends ton temps. Attends. Ah oui, non, mais bien sûr, c'est le truc des trappes, je suis bête. Voilà. Donc ça, pour faciliter, on fait comme ça. Là, pareil. Voilà, c'est parfait. Là aussi, pour faciliter, on fait ça. Allez, s'il te plaît, je tombe pas là. Oh, c'est bon. Il y a un petit checkpoint, ça, c'est une bonne idée. Oui, c'était une très bonne idée, le checkpoint. Alors, hop, saut de la mort, celui-là. Attendez. Allez! Oui, voilà. Ça aussi pas facile, mais j'ai réussi. Et là, c'est la réussite. Et là, c'est la réussite, les amis. Bravo, vous avez réussi toutes les épreuves. Se lever dans le bouton de la grande salle opérationnelle. Diamant, c'est parfait. J'en ai eu que 3. J'en ai eu que 3. J'en ai eu que 3. Je me suis complètement raté. Hop les. On se dépêche. Ouais, j'ai réussi toutes les épreuves. Ouais, c'est la fête, 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 c'est la fête. Allez, on y retourne. Chouhou, 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 chouhou. Décidément, les maps aventures ne me prennent que 2 épisodes. À chaque fois. Allez, le bouton de la grande salle est opérationnel. On va reprendre les diamants. Il y a marqué quoi ici? Allez chercher vos diamants dans les coffres, si vous en avez. Ouais. À mon avis, il y en avait un dans le labyrinthe, sûrement. Et après, bah, je sais pas l'autre. Peut-être y en a encore un tout là-bas. Hein. Oula, oula, on va éviter d'aller trop vite, ça me fait bien laguer. Oula, attendez, on va attendre que ça se reprenne un peu. Voilà. Bravo! Merci d'avoir joué. Avez-vous trouvé les 5 diamants répartis dans toute la map? Si oui, vous êtes très fort car vous avez trouvé les 2 diamants cachés. Ah ouais, bah j'ai pas trouvé les 2 diamants cachés. Porte 2 pour les curieux, porte 1 les créateurs de. Ah bah voilà, les créateurs de Cross Story. Cross 121, voilà pourquoi ça devait me dire quelque chose. Ouais, de l'expérience. Ah, c'est super sympa, super sympa. Cross 121, donc voilà, voilà les créateurs, bravo à eux. Cross 121. Et son assistant Brezio 44, donc bravo, bravo à toi Cross 121, et puis bravo à ton assistant, hein. Même s'il n'y a pas de T là, mais bravo à Brezio 44 aussi. Puis porte 2 pour les curieux. Voilà, pour les curieux, on va aller voir un peu le système. Et puis écoutez, c'était vraiment, vraiment une map très sympa, comme je les aime moi. Allez. Allez, descends par contre là, Coco. Voilà, un petit lit pour qu'on voie mieux. On va faire le jour. Voilà, tout est prévu, tout est pensé. Dormez s'il fait nuit. Je dors et je prends un wagon. Et je finis mon petit épisode. Waouh, c'est assez énorme. Pourquoi tu veux pas? Ah oui, mince, c'est bête. Faut pas le poser là, le wagon, faut le poser là. Voilà. C'est assez énorme comme map, hein. Assez impressionnant.
Là, on voit la bibliothèque. Ici, je sais pas. Hein, ça, les salles sont toutes entourées. Donc voilà, c'est vraiment très sympa. Après, la différence. Oula, ça lag pas mal, excusez-moi. La différence avec ma map aventure, c'est que. Bah, déjà, au niveau des épreuves, je pense que celle-là, elle est largement mieux. Hein. Mais après, c'est que moi, le contour et tout sera réaliste. C'est-à-dire, ça sera pas comme ça. Si on sort dehors, bah, ça sera joli. Ce sera pas comme ça. Enfin, là c'est joli, mais je veux dire, c'est pas cohérent. Il n'y a pas quelque chose comme ça qui existe, donc voilà. Puis sinon, vraiment, vraiment bravo. Hein. Vraiment bravo au créateur. Il fait même la petite visite à la fin. Hein. Il a dû poser toutes les rails et tout, donc c'est pas forcément facile. Et puis, souvent on se dit, on a fini notre map, là, on va pas faire ça, donc voilà. Il l'a fait, donc bravo, bravo à lui. Et puis écoutez, sur ce, si vous avez aimé cette série, et puis si vous souhaitez que je fasse d'autres maps aventures, vous pouvez me le dire dans les commentaires ou en laissant un pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, bah vous n'avez pas aimé, hein, je suis désolé, enfin vous aurez sans doute pas regardé jusqu'au bout si vous n'avez pas aimé. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à aller vous abonner. Il y a plein d'autres vidéos, hein, pas que des maps aventures, il y a plein d'autres choses. Et puis moi, écoutez, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.